À côté de hangar là. Ah ben là, tu prends. Oh, du bois. Bah, peut-être qu'à l'intérieur, ils veulent peut-être plus à cause de la poussière et tout, je sais pas. Non, justement, je comprends. Je crois que c'est plutôt l'inverse. Ils veulent pas vous mettre dehors à côté de, du bois et tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça, c'est pour la poussière. C'est pour ça qu'ils veulent le mettre à l'intérieur du hangar. Je sais pas. Mais tout un, y a un gros temps là. Mon avis, c'est plutôt ça. Publierai demain. J'y vais là. Avant le hangar là, ça. Y a un gros temps là. Ça se trouve, je sais pas. Oui, senteur, les bonnes 73-51 à toi. Ça y est, là, ça a décollé. Ouais, affirmatif, je me suis mis là dans la même rue là pour quelques minutes. Là, comme j'étais le dernier coup, hachi trois coups. Donc là, je suis tourné face à toi. Et juste avant, là, j'étais en train d'écouter là, des mille pattes là, sur le canal 16. J'ai deux bus là qui viennent de passer à côté de moi. En plus là j'ai senti là que je te recevais moins fort d'un seul coup. Du coup j'ai rien compris quoi. Là la seconde même non plus tu n'as pas le bip. Ouais, c'est vrai que là tu l'as enlevé là. Hachi trois coups. Putain, là, j'ai un espèce de QRM là, qui est en train de balayer là, toute la fréquence. Au secours! Putain, la vache, et puis il est passé doucement celui-là. Ah, ben là, toi, n'allez pas, moi, je l'ai passé assez fort là. C'est passé. Voilà, c'est bon, mais écoute, ça y est, on va partir, il tourne le matin, et puis après, on va nous dire, je serai au plomb. Ah, chie trois coups. Ben ce soir, toi là, ça passe mieux qu'hier en tout cas. Hein. Là, ouais. Hier, putain, mais là, je te recevais, mais pas du tout. Hein. Putain la vache. Ou alors, c'était très très QRP. Je te devinais dans le lointain. Alors que bon, là, c'est. Ça reste correct. Hein. Bon, maintenant, il y a de la distance. Hein. C'est, on n'est pas tout à fait l'un côté de l'autre, là, loin de là. Alors, par contre, ce soir, je change d'endroit. J'attaque à 23h jusqu'à 8h demain matin. Donc, demain matin, ça ne sera pas la peine de compter sur moi. Hachi trois coups. Après repos. Et je rattaque ce week-end en journée. Oui, c'est ça. Oui, samedi, dimanche en journée après. Ok, d'accord. Moi, c'est demain matin.
Ok, d'accord. Putain, on les voit, les fonctionnaires. Aïe, aïe. Ah, soit tu n'as pas repris le micro, soit ça passe plus, là. Ah, chi. J'ai reçu, ça y est, là. J'ai pris rendez-vous, là, pour le bar. Hop là, désolé, on a parlé en même temps. Oui, je te dis, j'ai reçu pour le bar. Ah oui, ok, compris. Hier, j'ai appelé la fin comme il y a notre relation clientèle, Victor, là, qui est venu nous voir, tu sais, qui était sur Isaac, là, sur le site d'Isaac. Donc, j'ai décidé la photocopie là, de la convocation, comme ça, ils l'ont. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, c'est de toute façon, ça va, c'est facile à faire. C'est facile à passer. Ouais, putain, mais hey, toi, par moment, j'ai des cuirs à mon pagaille. D'autres moments, j'ai plus rien. Quand j'ai plus rien, j'ai l'impression que j'ai le poste qui déconne. Ah, chi. Là, attends, je suis moustaché, attends, bouge pas. Ouais, j'ai les stations là, du canal 16 là, là qui sont en train de passer là devant moi, Hachi, là qui du coup me moustache à fond, mais t'inquiète pas que là je dois leur envoyer l'appareil. Là, vu comment il m'est arrivé, là c'est sûr que là ils doivent avoir du mal à s'entendre. Bon, Daniel, passe le canal 27, le 27-275 en uniforme, Sierra Bravo. Le 27-275, le canal 27 en uniforme, Sierra Bravo. Bon, voilà, non, parce que là ça, j'arrivais plus à t'entendre. Là, c'était plus possible. Là, je t'entendais gazouiller dans le lointain, mais je comprenais plus rien du tout. Là. Ça y est, c'est bon là. Ah, quand même, je suis un peu plus rapide que ça. Ah, chie trois coups. Bon, à propos de rapide, il y en a un en ce moment là en message perso qui me fait, il me fait sourire à ce niveau-là. Bon, le gars, il découvre hein, évidemment, hein, c'est normal. Hein. Et il se mélange complètement les crayons entre le fin et le corse. Bon, d'un côté, il faut qu'il se cale comme il faut. De l'autre côté, il faut qu'il clarifie. Alors, quand il y a les deux qui se croisent, là, c'est pas triste. Hein. Il m'a fait écouter là, une vidéo qu'il a fait. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ben bon, petit à petit, il arrivera à trouver le pli. Et puis après, s'il ira tout seul. Okay.
c'est normal. J'ai eu 100% QSL, il n'y a pas de problème. J'ai eu Roger, il n'y a pas de problème. Hachi 3 coups, mais bon, la réponse, moi c'est pareil, je la connaissais déjà. D'autant plus que dès dimanche, j'ai revu un OM qui était avec nous à Radio Broc, à qui j'ai vendu mon Puxing 777. Et bon, on a discuté comme ça et tout, ainsi de suite. Plus mon micro à pied Yazu, tiens, enfin, aussi. J'avais pas prévu de le vendre, celui-là. Et il m'a posé la question, est-ce que j'en avais un ? Je lui ai dit, ça tombe bien, j'en ai un d'un carton qui me sert pas. Et bien, après tout, puisque ça sert pas, pourquoi garder ? Puis bon, on a discuté un petit peu. Là, on s'était donné rendez-vous devant chez Christophe SAV Radio 33. Voilà, on s'était donné rendez-vous là devant son portail. Au niveau kilométrage, on a fait moite-moite, c'est-à-dire 70 moi, 30 lui. Ah, chi. Ah, j'en ai rien à cirer, en plus c'est moi qui l'ai voulu comme ça, alors comme quoi. Ouais, non, mais autrement, ouais, il n'y a pas de problème, Daniel, j'ai bien compris. Non, c'est volontaire, il n'y est pas volontairement à cause de trop de grincheux qui à chaque fois me pestait le Roger Bib qu'il y a là sur ces postes-là, quoi. 7009, 9009. C'est vrai que dans le choix des Roger Bib, il en manque un, c'est celui avec un seul bip. Voilà, c'est con, mais il manque celui-là. Un seul bip, ce serait bien suffisant, et non pas des trucs en mitraillette. Ok, il faudra que j'essaie moi depuis le QRA, là, voir un petit peu là ce que ça donne. Ça, il m'arrive de les entendre, hein. Mais bon, après à l'inverse, je sais pas, ça dépend des QRM, hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est comme là de mon côté, hein, des fois je me prends des coups de 5 points de QRM et tout, ça, qu'est-ce que tu veux que j'entende dans ces cas-là, quoi. Alors j'imagine qu'à l'inverse, ben forcément c'est pareil. Hein. Enfin bon, je sais pas si y a beaucoup de QRM de leur côté. Ah ben, ça doit être comme nous, hein, pareil. Hein. Alors aujourd'hui, on a encore un rendez-vous mal parce que j'ai
Voilà, on peut dire Rémi. Bon, mais écoute, je te souhaite une bonne journée, hein, très bien. Je suis obligé de m'abandonner. Bonjour, là-bas. Ok, bah vu comment tu commençais à partir là au début de ton message, toi je me suis mis en route là pour le coup et je suis au rond et là j'arrive au rond-point en bas de la côte de RGT. Ok Daniel, pas de problème, merci pour ce petit QSO, les 21351 à toi et bah, à la prochaine. Merci, bye bye. Ah, vous voyez l'avantage d'avoir un poste multimode? Bah, quand ça passe difficilement, voire plus du tout en AM, et ben, on bascule en BLU, en USB ou LSB, et puis, puis voilà, ça repasse de suite mieux. Il est pas avant 7h moins 10 généralement, le temps de faire les papiers et tout. Bon bah t'arrives là, t'es en plein dans le bordel. Hein. C'est ça, tu perds 2h30. Et ouais. Alors que là, tu vois, tu pars à 5h tranquille. Sachant qu'en plus, GSM, ça ferme entre midi et 1h aussi, tu vois, histoire de gagner du temps. Ouais, c'est bon, ça. Donc, quand tu fais que vider, ouais, ils s'en foutent, hein, c'est pas grave. C'est comme ça, bon, ben, bah, ok. Bon, bah, tu sais, chez nous, à Marseille, tu fermes entre midi et 2h ou 1h30, mais tu veux pas vider, hein. Si tu vides, là, tu prends un tir. C'est au magasin, là-bas. Ah, ouais. C'est un magasin, mais les défauts, je veux dire, pas besoin de personne, quoi, au bout d'un moment. Ah ouais, mais on fait même là en magasin, c'est la même boutique, c'est pas pour les moins. Donc, c'est les connards, ici. Ouais, nous, je vois, putain, quand tu roules pour des randos, c'est royal, hein, t'arrives le matin, tu charges de bonne heure, même si tu charges le matin, t'arrives au rando, bah, tu passes avant la merde, t'es tranquille, et puis, bah, toute la journée, t'es peinard, quoi. Généralement, quand t'es en carrière ou en dépôt, les chargeurs et tout, c'est plutôt cool, ça se passe bien, ils sont sympas, enfin, t'es rarement emmerdé, hein. Ouais, ça va. Ouais, y a que faut pas rentrer les genouillac là au niveau des poids des. Là-bas le matin, faut décaniller très très tôt, quoi. Ils attaquent vachement tôt aussi là-bas. Ouais, je crois que c'est 4h qui embauchent. Non, parce que l'autre jour, j'ai dû arriver vers moins 20, moins 15, et j'en ai déjà croisé qui était parti. Ah, j'ai compris. Ça, c'est des pays de l'Est. Ils ont les postes de Sibie en terminaison 0. Donc, du coup, là, ils nous baissent deux canaux.
station La Belette pour Dundee 33 qui t'appelle. Eh, les 73-51 Spitfire de Dundee 33, il n'y a pas de problème. Je suis à la sortie 26 pour attraper la nationale 89 direction Libourne. Ben, ok pour ça, mais moi je vais au pro, direction Codera, voilà. Ok. Par contre, là, vu l'heure, demain matin, là, on ne pourra pas s'entendre. Si ce matin j'ai débauché à 6h, demain matin je débaucherai à 8h. C'est plus la même chose. Hachi. Ok, bonne journée à toi, bye. Attention, Barracuda 56 pour Dundee 33 qui t'appelle. Minutes, il pleuvra plus. C'est celle d'après.
Les gens ils passent là, hein. Je me garde comme ça, puis voilà. Ouais, ça marche.